Bonjour tout le monde, Rémi sur la vidéo, on est aujourd'hui pour du un nouveau franchise en startant sur Franchise Hockey Manager 10. On va commencer dans la LHJMQ avec les Canadiens de Shawinigan, comme d'habitude, puis on va faire une transaction direct en partant. On va tenter d'aller chercher Sean Carrier. Okay, IRL, c'est IRL, pas j'en entends parler puis tout. Mais il serait pas bien. Pas qu'il serait pas bien, mais comment dire. Mettons qu'il est un peu tanné de jouer sa quatrième ligne, sa troisième, quatrième ligne à Moncton, puis coach, il fait pas jouer à son plein potentiel. C'est un choix numéro 6 au total, dernier repêchage, donc il mériterait d'être comme Caleb Desnoyers sur le premier trio. Mais le coach ne voit pas ça parce que c'est un ancien coach canadien qui fait de congédier. Fait qu'on connaît tous les coachs canadiens à part Martin Saint-Louis. C'est de la crise, t'as marre. Fait qu'on va tenter d'envoyer Sean Carrier à Shawinigan. Résultat, tout le monde. On est là pour commencer. On va comme tout Shawinigan. Fait que je vais faire le quoi? Manager. Option. Cup Missionary Mode. Staff. On a. C'est Roger Lavergne. Il est showy. Voilà. Bon, ça a été modifié. C'est Roger Lavergne, le président des Cats. Il vient de Shawinigan. Là, c'est John Shawinigan. C'est bon. Il est où parce qu'il ne dit plus. D'où pas il? Rémi Royer, il est plus là. Rémi Royer, il est plus avec les Cats. Il est rendu avec Victo. C'est supposé être avec Victo, quand même. Mais oui, il est censé être avec l'éthique de Victoriaville. Et non, cadre de Shawinigan. Quel coach fait-il? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, parce qu'il est retiré, je peux. Oh my God!
Bon. Bon. L'une des transactions qu'on veut faire direct en partant, c'est d'aller chercher à Moncton Sean Carey. Oh. Excusez-moi. Qu'ils veulent. Oui, ils veulent. Je sais que Alex Manfoss. Début de la saison, on va laisser commencer le début de saison. Bon, ouais, après. On en a trois là, tu sais. On a Léo Braillard, mais qui est rendu. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on chope Maxime Barbachev. Noah MacKinnon. T'en vas. Éric Limoux, Maxime Barbachev. Attends, on retourne à Moncton. On retourne avec les Wildcats de Moncton. Léo Braillard. Sean Carrier. Non, c'est ça. Tant voir qu'est-ce que Barbachev vaut. Jérémy Mainville, puis un choix de first de Gatineau en 26. Est-ce que c'est sûr que je veux garder Barbachev? Qu'est-ce que Léo Braillard il vaut? C'est Léo Braillard, gros. Nice Van Cole, Johnson, Jacob Newcombe, tout à côté. Justin Dumais. Jérémy Mainville, c'est Maxime Barbachev. Fernand Wheeler, Bramarov, comme Mathieu, Antonin Véro, Ewer, Noah Warren. Ça, on pourrait chercher un Noah Warren en tour de Léo Braillard. Mais c'est que. Barrière, pas Barrière, mais Barbachev revient pas l'an prochain. Fac. Est-ce que Brian peut revenir? Regardez ça de même. Oh oui, on est au Brian. Dans le junior. B. On va pouvoir le rappeler, mais que vous sortez de bord, monsieur. Capitaine Boot, assistant Ménard. Puis l'autre assistant, c'était Bonnefond. Non, c'est Lou Félix Denis. Assistant numéro 2, c'est Lou Félix Denis. Je sais pas pourquoi qu'il reste à la def, même qu'il mette à la def quand c'est un joueur d'attaque. Il est rendu à l'attaque là, au centre. On va y aller à trois gardiens aussi cette année. Avec Amel de La Fontaine. Jordan Forget. Avec Simon aussi, il y a un A, son chandail d'habitude. Il y a un A. Ok, oui, mais là, attends. On est dans le Jackson Irving ne veut pas, on est showé. Un long radeau canonical. Non plus. J'achète un bois vert, je vais le garder là parce qu'on sait jamais. Oui, ok, oui, il veut il prononce ses droits pis tout, mais. On sait jamais. Peut-être que si on a la commémorial l'an prochain, peut-être que Olivier Gros va signer. Pas signer ce titre là. Un Van Martin. On va garder parce qu'il a juste 15 ans. Un Drew McIntyre à 19 ans. Ne veut pas. Jérémy Langer aussi, on va garder. Anthony Bédard qui a 20 ans. Signé Bédard. Anthony DeCesare qui a 20 ans.
Marc-Olivier Lauzon, Van Motten, Jacob Lafontaine, il est plus avec nous autres. Domingue, Antoine l'Italien, William Leonard, Chapdelaine. Il veut m'en signer pas tout de suite. Oh, Louisville! D'où la mer? Il ne veut pas. Matt Fruscoe. Ne veut pas jouer dans le Q. Antoine Lucie, il a 16. Bigger, il a 17. Poirier, 18. Bigger, il me semble qu'il l'a jamais. Il veut. Pagé, là, devant. Jérémy Larangeau, on va le garder même s'il veut pas, parce que peut-être que l'an prochain, il va vouloir. On en a 25. Tiens, un gars comme. Anthony Bédard. Caché. Anthony Bédard, c'est qu'il a 20 ans, lui aussi. Fait qu'on était à 3-20 ans. Il est considéré comme 20 ans. Barbachev, il est considéré comme 20 ans. Je sais pas pourquoi qu'il est pas considéré comme 20 ans. C'est sa saison de 20 ans. Fait qu'on regarde lui une saison. On fait moins 1. Moins 1. Là, avec Amel Langer pour savoir qui va être le... pour les play pas pour les PF là. Plamondon là, mais eh ben. Attaque la chance. Dupuis, Juzic, Denis. T'as Evan Courtois. T'as Anthony Bédard qui va. Jordan Forgeff qui joue aussi. Jacob Lachance, il avait pas joué. Hein, Bédard. Dupuis, Chandler, Félix Denis, Climat, Bay-Argent. Evan Courtois, on va mettre Forget. You Forget. Faire les lignes. On va mettre. Le Félix Denis, Maxime Barbachev, Anthony Bédard. Voilà ça. Chandler, Climo Chandler, Bédard. Bonnefond, Dupuis, Forget. Forget, je vous semble. Bonnefond, Dupuis, Juzic, Bay-Argent, Forget, Destou. Boutet. Boutourini. Ménard, Plamondon, Bolak, Hébert. Langevin et Amel, ça c'est juste pour les saisons. Les 14 minutes. C'est mieux pour la saison pour ça. Fait que contre Sea Dogs de Saint-John. Mathis Langevin dans les filets. Fait de 5 à 0. Va mettre là, on va mettre ceux qui n'ont pas joué. Oh, transaction. L'un Cusero s'en va à Cabreton contre Xavier Daigle. Là, ceux qui n'ont pas joué Justin Lemay, on va sortir Alexis Beaulac. Justin Lemay. À l'attaque, on va sortir Libé Argent, on va mettre Evan Courtois. On va sortir Louis-Félix Alli pour pas qu'il se blesse. On va mettre Nathan Étier.
Le titre. Puis on va sortir Anthony Bédard pour mettre Jacob Lachance. Une année avec. Ah, c'est ouf, faut jouer Noah McKinnon. Avec un Hans Gooseboot, on va mettre Noah McKinnon aussi. Arbachet, on va mettre. Que ça va le filer. Fait de 4 à 2. La tête avec l'aide de Justalum et Eric Climat. Maxime Bachev avec l'aide de Noah McKinnon et Jacob Lachance. Puis là, on va mettre Rémi de la Fontaine dans les filets pour le prochain match. À 9. Sortir Zach Menard, on va mettre Alexis Beaulac. On va sortir Thomas Hubert, on va mettre Angus Booth. En attaque, on va sortir Alexis Bonnefond, on va mettre Taylor Bay Argent. On va sortir Cole Chandler. On va mettre Anthony Bédard. Puis on va sortir Maxime Barrochet, on va mettre le Félix Denis. Avec le Félix Denis au centre. Il y a tout le monde là, vu que c'est ça. On va mettre la chance là. On va mettre Yuzik au centre. Hein. On va y aller de même. C'est ce tuyau là. Une bédole là. Boone McKinnon, Tourigny, Plamondon, Beaulac, Lemieux. Rémi de la Fontaine dans les filets. Hein. De 5 heures. Noah McKinnon avec l'aide d'Anthony Bédard et Nathan Étienne. Éric Climat avec l'aide de Félix Plamondon. Jérémy Dastou sans aide. Charles-Antoine Pilote avec l'aide de Nathan Drapeau et Mathieu Bolduc. Anthony Bédard deux fois avec l'aide de Bayarjon deux fois et Forget et Angus Abut. Là, ça va être Mathis Langevin qui va gauler. Marty, juste arrivé pour mettre Isaac Ménard, puis Jordan Tourigny pour mettre Thomas Hébert. Puis à l'attaque, on va sortir Cody Dupuis pour mettre Cole Chandler. Jérémy Lastou pour mettre Maxime Barbachev. Et Aaron Courtois pour mettre Alexis Bonnefond. Avec Mathis Langevin dans les filets à Québec et ML Contact Fax. Victoire de 3 à 1.
Lou Félix-Denis avec l'aide de Jacob Lachance et Noah Mekkonen. Félix Plamondon avec l'aide de Nathan Hété et Thomas Hébert. Félix Lacerte avec l'aide de Élie Bergeron et Félix Plamondon. Il reste trois matchs pré-saison. Donc, Amel là. Parce que, ben, l'enjeu en a deux, Amel va en avoir deux. Puis, sachez, ça va être 50-50. Pour Amel, puis l'enjeu, puis on sera qui. Non, Noah Mekkonen. Noah Mekkonen va sortir pour Jordan Tourigny. Et c'est quand même bien fait là, Mekkonen. Stats. Offensive stats. Preseason. C'est quand même 3 points en 3 matchs là, pour Noah Mekkonen. Puis c'est le nom, il y a 3 points en 4 matchs. Noah Mekkonen, oui, c'est 3 points, mais il a juste 15 ans avec. On va pas le brûler en haut tout de suite là. En haut. En haut. Et puis à l'attaque. C'est Bédard, il a 3. Etienne, il a 3. Bergeron, il a 3. Climent, il a 2. Lachance, il en a 2. Du fuck. Mettre du puits, ça veut dire Hété et puis Courtois vont sortir pour tout de suite. Testo, faut qu'il joue aussi. Et Jacob Lachance va sortir. Ah, Denis Barbachev, Klima, Testo, Chandler. Bon, Barbachev, Denis Klima, Bédard, Chandler, Lacerte, Bergeron, Dupuis, Juzic, Bonnefond, Forget, Dastou. Vous, vous s'en allez là. Bout de Tourigny. Maintenant, Plamondon, Ball, Hébert, Beaulac. Là, ça va être Amel qui va goaler le prochain match contre Halifax. Contre Gatineau, ça va être. Le dernier match de la pré-saison, ça va être de La Fontaine. Victoire de 5 à 3. Cole Chandler avec l'aide d'Anthony Bédard et Jordan Tourigny. Jordan Tourigny avec l'aide de Jérémy Dasto et Lou Félix Denis. Cole Chandler avec l'aide de Maxime Barbachev. Et Bergeron avec l'aide de Thomas Hébert et Bétuzic et Alexis Bonnefond. Ce match-là va être 50-50 pour voir qui est le gardien numéro 2 pour commencer la saison. On y a trois gardiens. On joue à trois gardiens cette année. Comme les CRL pour vrai. Donc, Xavier Sarrazin serait échangé par la Madrid Blainville pour vrai. Soit Saint-John. Soit Saint-John, Val-d'Or et Chicoutimi seraient dans la course. 50-50 le match. On commence avec Mathis Langevin. Ah, je peux pas stop. Merde. Là, je vais mettre le logo. Hein. Ok, ben Rochelle avec 94, là, je. Ah,
5 buts. On va les vivre 2 minutes pour. Pourquoi j'ai 2 d'abord? Zéro les tirs au but, aïe 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 aïe. Onze, aïe aïe aïe. On se fait dominer. Un powerplay de 4 minutes. Bon, un but. C'est le but! Power play goal, Alexis Bonfoglin de Thomas Hébert et Brett Juzic. Non, c'est 5 minutes, c'est pas 4 minutes, c'est 5 minutes de power play. Comment les boys? Voir un but. Parce que j'arrête parce que je vais changer mes lignes, mon gardien. Est-ce que c'est clair que je peux pas changer mon goaler, man? Ah, tu veux ça. Je vais mettre slow, attends. Game stoppage, attends. Bon, là, je peux changer mes lignes. Mon gardien, je sais. Je peux pas changer mon gardien. C'est quoi cette crise d'affaires-là, man? Simulation, il porte 5-2. Calisse de bug! Alors là, les stats, là, mais non, regarde, fuck off. Amel va jouer à la prochaine game. Amel va jouer à la prochaine game. Regarde, fuck off, désolé de la Rémi, là, mais. Parce que Rémi, faut il faut qu'il joue aussi, c'est ça le problème. Là. Amel va jouer à la prochaine. Faut pas changer en milieu de game. Ah, Amel a perdu deux autres. Oh les stats!
stats. Plus. M'en fous des stats de saison, moi. Go les deux. Félix Amel, là, comme back. Pour faire plaisir à la chance, là, parce que c'est quand même son premier match à domicile. Jérémy Dastou va jouer à pla va, ça, 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 comme la chance. Fait que, guys, merci d'avoir été là. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour le début de cette saison numéro 1 avec le cadre de Sean Gunn. D'avoir été là, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.